situation nécessite de donner une base juridique à ce recrutement temporaire d'un vacataire. La rémunération versée à cette personne est irrégulière en l'absence de délibération de votre assemblée et en l'absence d'un arrêté de recrutement par le maire. Sur cette base, le comptable public a décidé dernièrement de bloquer tout versement de rémunération à cet intervenant. Il est précisé que la commune ne peut valablement recourir à un vacataire que si les trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir spécificité, le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé, discontinuité dans le temps, l'emploi du vacataire ne correspond pas à un besoin permanent, rémunération attachée à l'acte. Pour ce qui concerne la deuxième condition liée à la discontinuité dans le temps, la tâche confiée au vacataire doit être limitée. Il n'est plus possible, comme ce fut le cas jusqu'à présent, de recourir à un vacataire toute l'année à un rythme régulier. Une réflexion de fond sera prochainement conduite et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer des orientations possibles. Donc les propositions que je vous fais, c'est de recruter un vacataire dans les conditions suivantes. Mission. Le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé, à savoir la distribution dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, des supports de communication, infosmartine, bulletin municipal notamment. Modalité d'intervention, chaque demande de distribution sera précédée d'une demande écrite et expresse de monsieur le maire. Nombre de vacations, 10. Chaque vacation correspond à une distribution. Rémunération forfaitaire, chaque vacation sera rémunérée après service fait à hauteur d'un forfait de 48 euros brut. Précisez en outre que le vacataire n'aura aucun lien de subordination hiérarchique avec la commune de Pensagne. Percevra une rémunération soumise aux cotisations du régime local. Ne pourra percevoir des compléments de rémunération.